mi bongo ebele na bandako na bino, bozwa mi bongo ebele na babiro, bisikatu oyo bozwa mi boali kolanda DRC News, la seule chaîne qui vous apporte l'intégralité de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bandeko balandi, la situation est tellement confuse à Kanyabaonga, la situation est tellement confuse na niveau ya Sake, la situation est tellement confuse na ville ya Goma, parce que cet après-midi, trois bombes et outils koko ya bongo dans la ville de Goma tiré na Outa Bongo, na ba colline Oyezali, na maboko Banguna, ya République démocratique du Congo. Nos forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le VDP, Oyezali Kobenga, le volontaire pour la défense de la patrie, Oyo Binomoko, Boyebi, na Kombo ya Bawazalendo, Bazali Bongo, déterminé pour faire face aux rebelles du M23 et les ont repoussés jusqu'à leur dernier retranchement. Yango wana, Tokobeta Masolo, il y a situation sécuritaire, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Comment est-ce que l'armée est en train de monter en puissance? Tokobe Tapeli Solo, il y a Mayematali, gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, Oyo, et Outikobo, Outakibongo Kobima, il y a de cela quelques heures ou soit quelques jours, na minute Oyo Yali, l'insatisfaction, il y a un député, Oyo Bazali, satisfaite, il y a un Oyo Bazali nommé Nakati à gouvernement, peut-être que ce gouvernement ne sera pas investi, ce qui chef de l'État a s'impliqué dans Makambo au Ezali Kosalima. On aurait appris qu'il y a une pétition, il y a des députés au Yobazali déjà, que ça la pétition pour être les provinces qui ne sont pas représentées, et ça la paix représentée dans le gouvernement. Wana. Tokomeka Kolobela Lelo, le ministère, il y a justice, au Yobapesi, na Mwanamboka Constant Mutamba, Batwebele Bali ko critiquer la manière dont Constant Mutamba s'était attaqué à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il était encore opposant Nakati ya FCC. On doit également tirer la sonnette d'alarme sur la personne de Constant Mutamba. Est-ce que Azali l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Parce qu'il y a des vidéos où yo yemoko abandaki déjà ko planifier comment il faut que ça a un parquet financier où yo kobanda ko sambisa ba détourneur ya fonds publics. Pour te monique parquet na biso traditionnel où yo tozali nango lelo bazali kokoka ko comprendre makambo etali finance. Voilà pourquoi ils sont driblés par le technicien bato bazali ko maîtriser makambo ezali kota la finance. Alors lui envisage de créer un parquet financier. Est-ce que yango ezali bongo pour avantage ya bayimboka toko solola yango nyonso na kati ya manaka na bino ya décryptage de l'actualité politique, sans oublier oyo ezali ko komela monsieur Paul Kagame sur le plan international, délaissé par tout le monde. Aujourd'hui Kagame se retrouve seul, tout se resserre contre lui, un peu, voilà, titre, Oyo Yamakamboyo, Nako développé, Nakatia Mana Kanabino, y a décryptage de l'actualité politique. Bon, moi, Messano, Naebi Sakabino, Soki Bomoni, communicateur de la République, Jeff Badibanga, la première des choses à faire, c'est de liker l'émission. La deuxième chose à faire, c'est de partager le lien de l'émission. Enfin, de élargir l'audience et de permettre na Banambokatu, Balanda, information et surtout situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais partir à la technique pour demander la vidéo de la montée en puissance de l'armée congolaise et comment nos forces armées de la République démocratique du Congo bazali ko s'exprimer par rapport à la situation sur terrain et comment est-ce qu'ils sont en train de protéger la population qui est en déplacement. Bientôt, on se retrouve. Rwanda meki biso
Il faut tous dire ça. Non, man, Comanda. Moi, général, je suis un bon. Tolinine, Mirage et Matalikoulou. Narafora basuda. Narafora ba commando. Ya kota koli ba kita wana kibumangu. Panzambuma. Alors tozo kama baloba ki ne jamais trahi Congo mais tozo mona politique ezo zala. Politique ebele. Politique ebele. Batine la biso ça pour ça congolais di ça ba ya to soutenir mboka. Dala na population ba jo kimba. Dala population jo kimba. Il faut me conseiller mboka akanisa makasi. Batinda de rafore ya kutu. Rafore ya. Dala population. Ba akate. Tu vas à la carte, mais tu es au bango. Tu es à la carte, barbe, mais tu es à la carte. Aza ma cassité. Et là, quand je traite le bisou, caca, oh, monco, moco. Bibouni, il y a ma cassité. Zangi, l'icolo, n'a appuyé la bisou et a bien. Imaginez mon moustanga, bata, mon bimba. Tozana, PKM, moco. PKM, moco, PKM, moco, y a rien. Tozana. PKM moko na PKS moko imaginate moko to bunda ndeni ni tala boro to zo boto ngo zo beta ngo rwande me pe to zo bunda na e pe zo sa reglementaire na bango pe ba e bi so ka vie matiri kolo da deju to kota rwanda ya grave zato. Vous venez de suivre, mes chers compatriotes, comment est-ce que armée na biso ezali ko contrôler la situation sur terrain. Mukolo ya lobby na la kisa kibino, comment est-ce que le M23 ba sala ke to zali ko benga débordement à plus ou moins 15 km de Kanyabaonga. Ça a créé une psychose. Il y a eu un communiqué de l'armée rwandaise connu sous le label du M23 en République démocratique du Congo. Ces communiqués avaient créé une psychose au sein de la population. La population a commencé à se déplacer. La population a crié à ces communiqués qui étaient une fausse information alors que le M23 n'était pas aux environs de Kanyabaonga. L'armée congolaise a répliqué pour affirmer que l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie, Bazalaki déterminé à sécuriser la ville ou soit la cité de Kanyabaonga. Le M23 qui ont tenté de déborder ont été frappés à plate couture. Ils ont réussi de frappe chirurgicale. La plupart d'entre eux sont morts. Je vais vous donner les détails, mais je vous donne d'abord l'essentiel. Yamakambo et Salemaki Mukolo Yalobi pour comprendre la justification de cette vidéo dont le phare de ce Bazali Kosenga na tata Mokonja Yekolo atteint de la bango le véritable Congolais Bak. Ça veut dire que la réplique au Banyarwanda Bazwaki et Zalaki à la hauteur. Et ils ont été en débandade. Ceux qui m'ont suivi hier, Nastali Sakibino, comment ma pinga na biso et beta ki bango ba missile. Comment ma pinga na biso au travers ya auto bengi ba lanceur de roquettes multiples et beta ki Banyarwanda pe na la kisa ki bino comment Banyarwanda bali ko pakata mango bazali ko kima. Ainsi mes chers compatriotes, bango basali communiqué wana pour créer la psychose au sein de la population congolaise, pour créer une méfiance au sein de la population, pour que la population ne puisse pas faire confiance à l'armée et aux volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, lorsque l'armée a essayé de répliquer, c'était une débandade totale de notre côté. Je vais maintenant vous donner qu'est-ce qui s'est passé en réalité de l'autre côté. Batubabande qui kolobatro, armée yango monté à puissance yango. Armée yango montée en puissance yango, mais c'était sans compter sur le véritable raison. Il y a communication et salemaki et pas ya bayi Banyarwanda et pas ya ba kafuru mwetu. Basala qui communiquait, oyo bandaki qui confirmait avoir capturé les éléments de la SADC.
On a bâillé mon bâillé M23. Ils ont, je vais lire en français, on va expliquer et nous allons partir comme ça après avoir comment la évolution. Il y a bande qu'on a mis sur le bâti bâti yango. Alors je vais vous faire comprendre pour qu'à la prochaine bon l'andalisou soute communiqué il y a bagna Rwanda. Pour basa la kailo comme nous soute kaka lokuta. Basa le bakailo comme nous soute kaka lokuta. La coalition M23. Rwanda Defense Force, Alliance Fleuve Congo, affirme avoir capturé des éléments de la SAMIDER, donc la mission de la SADC, et détruit des véhicules militaires appartenant à cette force régionale sur l'axe Sake-Kichanga en territoire de Masisi. C'est après des rudes affrontements qui ont été lancés jeudi 30 mai entre l'armée congolaise et la coalition M23, Rwanda Defense Force et Alliance Fleuve Congo. Après avoir détruit 4 de leurs véhicules de combat, véhicules blindés de transport de troupes, nous avons également capturé 2. Donc, Bango Balobi Bakangi, Basoda Mibale, Ya Sadek. Et ils ont aussi capturé un camion de transport Iveco, indique un communiqué de la rébellion. En attendant la réaction de la SADC, des sources locales affirment que des civils pris dans le tir croisé ont perdu la vie et d'autres blessés. Sur un autre front, dans le territoire de Rutshuru, la coalition a avancé de plusieurs kilomètres. Ça, c'était le communiqué, la communication pour faire peur à la population, pour détourner l'attention de l'armée qui était en train de les frapper, qui était en train de pilonner les positions du M23. Je vais vous dire tout ceci, je vous lis tout ceci, j'ai pris le temps de vous lire. C'est fake news, il y a communiqué Nabango Oyo, pour venir maintenant vous démontrer avec la vidéo que vous venez de voir en appui, la réalisation, la montée en puissance de l'armée, qui contrôle tous les axes qui étaient jadis occupés dans les mains du M23. Donc, bah M23 balobi qu'ils ont avancé de plusieurs kilomètres pour bazwa kanyabaonga. C'est ce qui avait créé la psychose na mutu ya ba congolais. Ba mususu ba kimi ba tiki ba ndaku na bango ya kanyabaonga. Vous avez vu comment la vidéo a circulé sur la toile, comment est-ce que la population s'est déplacée. Or, il n'y avait, ce n'était que Lokuta yaba IM23. Parce que Banyarwanda, baloba kabosolo na monoko na bangouti, ba kreye kaka psychozoana, po ba profite nanse ya psychozoana ba kota na cité ya Kanyabaonga. L'armée a yeba ki deja stratégie, ou bango babanda ki kosala. L'armée les a attendu de pied ferme. L'armée les a attendu na kati ya environnement, ou soit aux environs de Kanyabaonga. Lorsqu'ils ont essayé de profiter de la situation qui était en lit de la psychose qui a été créée na kati ya population, ils ont été foudroyés. La question maintenant que nous devrons se poser avant na la kisabino, la vraie maintenant version de la situation et aussi la réaction ya mapinga na biso, la question que les Congolais se posent, c'est de savoir ceux qui ont attaqué Kanyabaonga. Baza bato balata ki sukutu ya forces armées de la République démocratique du Congo oyo yasika tata mokonzi ya ekolo auta ki kodote na armée. La question qu'on se pose, ba twana bazui sukutu ya armée ndengenin. Il y a plusieurs stratégies oyo Banyarwanda batie en place et ngai na tiraki la sonnette d'alarme. J'avais parlé, mes chers compatriotes, pour tirer l'attention des renseignements militaires, pour n'accueillir bisabango que Banyarwanda bazali koluka. Comment est-ce qu'ils peuvent localiser celui qui est aux opérations na minute oyo, oyo bazali ko récupérer ba village ebélé. Leur objectif, c'était de corrompre certains officiers pour que ba sa la repli stratégique. Pembo mona ki mukolo ya lobby, Bachar ya FARDC, ezali kolongwa na Kanyabaonga, qui avait donné l'ordre ya bato bazalaki kokamba Bachar wana, basa la repli stratégique. C'est quelque chose qu'il faut prendre beaucoup au sérieux et c'est quelque chose qu'il faut suivre à la loupe parce qu'il y a déjà des stratégies mises en place de l'autre côté. La seule façon dont le M23 avance, ezali yakosa la traîtrise. La seule façon au Banyarwanda balandaka pote bazwa du terrain sur na front, ezali
par la corruption. Et cette corruption, et si m'a quitté, même malgré tactique, il y a Kozoua, Soukoutou, il y a FARDC, Babetami Makasi Mokolo Yalobi. Mais qui les a donné le tenue de FARDC? Qui les a donné cette tenue là? Il y a Forces armées de la République. Ça veut dire qu'il y a des traîtres. Oyo ba pesi bango ba teni. Ça veut dire qu'il y a des traîtres ba zui teni ba kei ko pesa bango. Ba il faut ba landela. Mouto azali kota la logistique dans le Nord Kivu. Et la chaîne oyo ya bato bazali ko kamba logistique na Nord Kivu. La question est là. Le gouvernement a déployé des moyens. Le gouvernement a mis en place des moyens pour doter l'armée de tenis. Mapinga na biso ba lataka sukutu ya kitoko. Mais to komi komona sukutu wana na nzoto ya ba rebelle ya M23. Bazweli yango wapi. Et qui les a donné cette stratégie pour que baza la confondi na mapinga na biso et que tango bako s'approcher pembeni ya ba soda na biso ba kweya na ambiscade et puis babo ba soda na biso. Donc il y a quelqu'un qui continue à trahir l'armée et le renseignement militaire doit se pencher sur les cas et surtout la chaîne de commandement ou soit la chaîne d'approvisionnement plutôt où il pèse ka mapinga na biso sukutu. On doit suivre ça de près. Les officiers là supérieurs Bazali pour quelque chose dans la traîtrise, pendant psychose, on le créé Makilobi na côté Yaloubiro. Alors, malgré communiqué na bango Yaloukouta, écoutez maintenant la réalité Yamakambo et Salé Makilobi. Bango balobi ke ba betaki ba la mission de la SADC, ba kangi ba toi SADC, ba saliboui. Or, en réalité, après des violents affrontements, il y a jeudi Mukolo Yalobi dans les collines surplombant Sake. La situation est calme ce vendredi. Le bombardement de la SADC, oyoki, et loko bango bande ki kolingate, ba Congolais bayeba, et ça que bombardement ya SADC a bombardé ki bango. Et détruire presque ba petit na bango ba créer recruter qui o ba bande qui ko former pembeni ya cité ya Sake et détruire ye bango nyonso ba bomi bango nyonso et pour ko effacer formation wana il fallait ba sala e communiquer moko ya lomango pour dire que ba détruire ba blender ya SADC pour dire que ba kangi ba militaire ya SADC sans pour autant démontrer les images. Or ici, moi j'ai les images à bombardement. On va bombarder qui bango. J'ai les images à Nenge Bakimi. Je l'ai mis hier. Mais Nazo Sengalissou sur ma côté la bino yango. Botala. Et après, là, il a continué à copier ce bino. Bah, détail, il y a bombardement. Voilà. Nico, Nico, Nazo Maraba, Mina. Maga Panisawa. Vidéo ni se kamata bien. Comment est-ce que SADC a bombardé qui va position na bango. Population en liesse. Population zo sepela tango ba liko bombardé. Et après vous avez vu comment Banyadoanda ba liko kima tout la mouisi ya zaza. Comme un petit chien qui a mis sa queue entre ses pattes. Azali koluka comment est-ce que a koki komibi kisa. Alors, la situation est calme le lo vendredi. Le bombardement de la SADC on détruit en poussière. On réduit en poussière. Une force de réserve du M23 à Rumeneti. Donc, psychose wana, obango ba kreyaki, ezalaki pour effacer l'information selon laquelle bombardement ya SADC et bébé sa qui réserve nyonso ya M23 na Rumeneti. Plusieurs morts sont signalés à Mouchagi. Donc, na Mouchagi, Banyarwanda ba koufi tala ebele. Badaye en désordre. Bakoyi comme des petits mouches. Maintenant, pour effacer l'information, il fallait faire un communiqué selon lequel Bakangi, Batoisadek, va détruire, va blender Nabango.
dont les officiers et des soldats bombardés par leur position dans la colline de Mushagi, affirme une source sur place. Donc, population Zalaki na Mushagi sur place, ne moni na Rumeneti, na colline na Rumeneti, comment est-ce que Banyarwanda ba BBC réserve na bango ya Rumeneti, ba koufi meke, les officiers, les caporaux, les likilinego lingi, kobenga bango ba koufi, ba betami, d'une manière extraordinaire. Pour la effacer si quoi information, pas crier communiquer on attend les bino liboso, mais en réalité la situation est salemaki yangone na zo pesa bino si quoi yo bilan, bah koufi ebele na Rumeneti, réserve na bango, stock na bango ya Rumeneti, rendu en poussière, détruit par le bombardement de la SADC. C'est pour la toute première fois. SADC a kota na makambu oyo. C'est pour la toute première fois SADC a intervenu na makambu oyo. Intervention ya SADC yango nde sali ki Mushagi ba officier ebele ya M23 badaye. Ba officier ebele ya Banyarwanda badaye. Les soldats rwandais bakufi. Mais là vous allez remarquer que même au niveau ya Rwanda, il y a une déception totale. Cette déception est allée dire à Nini. Banya Rwanda, ba pekisi bango. Moi, na tu ya Rwanda, o ayaki na est la République démocratique du Congo pour soutenir le M23 et que ya koufaki offre ba koki ko lela ye na Rwanda te. Ba koki ko sala matanga na ye na Rwanda te. Tout se resserre contre M. Kagame. Et les gens des droits de l'homme voient cela d'un mauvais côté et aujourd'hui, il y a des rapports qui sont sortis pour accuser Kagame, Kazali, qu'on respectait les droits de l'homme. Voilà pourquoi la Russie et la Chine entreprennent une démarche, il y a qu'on sanctionné le Rwanda par un embargo, et que monsieur, Kazali Kobenga Vincent Karega, qui était ambassadeur à la République démocratique du Congo, a été identifié comme l'auteur, il y a ba mort suspecte, il y a ba Nyarwanda, ou ba Koufaki, na ba Mboka Mipaya. Par exemple, lorsque Vincent Karega était ambassadeur na Afrique du Sud, ba Nyarwanda d'origine, ou ba changea ba nationalité, et qui sont hostiles à son régime, ont été tués, retrouvés morts d'une manière mystique. Voilà pourquoi, tant que Kagame a outi Koting da Vincent Karega na Belgique, comme ambassadeur, la Belgique a refusé d'accréditer l'ambassadeur ya Rwanda n'est pas Inabango. Ils ont dit que M. Karega azali auteur ya ba tuerie ya ba Nyarwanda ou azali ko s'opposer na régime ya Paul Kagame. Et de l'autre côté, dans son propre pays, il a interdit les gens à pleurer par rapport ya matanga ya ba militaire rwandais ou bazo koufa sur le sol congolais. Nous allons y revenir avec beaucoup de détails. Maintenant, nous sommes en train de poursuivre la situation au Elekani na côté ya est la République démocratique du Congo. Et comme Babeta Mibongo, à Kanyabaomanga, le phare de ces contrôle toujours la cité, malgré l'avancée des rebelles jusqu'à Boutalongola. À moins de 15 km, les positions de phare de ces restent intactes vers Armoire. Donc, Lokuta au Bango Bakosa Kiwana Izalakinde, maman na Lokuta. Les positions de phare de ces restent intactes. Bameka Kime est simbité, malgré Balata qui tenit pour être confondu aux forces armées de la République, et simbi nangote. Babeta Mikaka. Toutes les stratégies au Bazali Komonte, Ezali Kaka dénicher en avance, l'armée replique avec force, et aujourd'hui, toutes les positions à forces armées, Ezali Metral. Ezali intact. Dans le territoire de Masisi, des combats ont éclaté à 4h entre le M23 et le Wazalendo. À 7h10, le Wazalendo, dirigé par le général autoproclamé Kawiti, ont récupéré la colline stratégique de Ndouba. Où on a le territoire de Masisi? Dans récupérer la colline stratégique de Ndouba. Et personne, l'éclairage,
Il y a ma camboise à l'école, ma personne n'apporte. Le Jean publie souvent l'information selon laquelle de l'autre côté, le M23 a avancé, de l'autre côté, il y a l'avancée. Mais en réalité, la contre-offensive, la réalité, ma camboise à l'école, Kakuna, Bazali, Koye, Bissabino, Yangote. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, na senga kabino ya kolandaka DRC News. Na yebisa kabino, la véritable information, Bokozango Awa, et surtout, na manaka oyo, Jeff Madiba Ngazali Kopé Sabino. Parce qu'on est déterminé à donner la véritable information na Bayimboka. On est déterminé à vous donner la vraie information pour que vous puissiez avoir la situation journalière de la situation sécuritaire à l'Est et aussi la situation politique qui prévaut dans notre pays. Je pense être suffisamment clair sur la situation qui prévaut à l'Est. Malgré des bombes qui sont tombées aujourd'hui dans la ville de Goma et aussi des dégâts matériels et aussi humains, au Yessalemaki, entre affrontements, il y a Sadek, accompagné par les forces armées, na Banyarwanda, Oyo, na Mushagi, Banyarwanda, Bakoufi Meke, Banyarwanda, Bakoufi Ebele, les officiers militaires décimés par les bombardements, Oyo Nauti, Kotali Sabino, na Kati Yabilili. Alors, na minute, mes chers compatriotes, monsieur Kagame, tout se resserre contre lui. Kagame, nyon se zali ko se resserre contre lui. La pression de la communauté internationale. La pression de la Russie et de la Chine. La pression à allié naïe. Tous les alliés de Kagame, Bazali se sont prêtés à travailler na Kagame. Bazali kokanisaete, Kagame ne respecte plus les droits de l'homme. Il a été accusé d'agression en République démocratique du Congo. Il a été également accusé ya Kogoma, Bandeko yo Bazali ko s'opposer na régime naïe. Donc ses opposants propres dans son pays sont tués. Par, ils sont retrouvés morts par des morts aux alliés suspects. Et la communauté internationale ouvre l'œil, les sanctions commencent à tomber. Monsieur Vincent Karega, qui est l'auteur moral, il y a ma mort suspecte, il est sous un mandat d'arrêt international, donc il ne peut plus se déplacer, à part il y a Ozalanambo Kanaye Rwanda, et le Rwanda est aujourd'hui sanctionné d'embargo Bakoki Kosomba Mandou quitté. Ça, ce sont les bonnes nouvelles qui tombent. Parce que tu sais que Dialobaki, Kadamo Bozali Komona, c'est la fin de son régime. Voilà pourquoi chaque fois on a interpellé Kabino. Mais Kabino, Bolanda Biloba Lobayabato, Bazo Lobate. Oh, tu sais que Dialekisi va voyage. Oh, tu sais que Dikaka va voyage. Regardez le résultat qu'apporte le voyage de Tshisekedi. C'est aujourd'hui ce qui fragilise le régime de Kagame. C'est ce qui fragilise le pouvoir de M. Kagame. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir entre nous, Congolais, pour protéger, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo et chaque centimètre carré Yambo Kanabiso. Voilà pourquoi les compatriotes congolais doivent soutenir le commandant suprême, ils doivent soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà la première partie de l'émission Oyonaebisa Kibino. On va parler de l'insécurité et de la situation sécuritaire à l'est de la République. Je parle du gouvernement et je commence aujourd'hui par le ministère de la Justice. Les gens ont parlé, critiqué Tshisekedi, comment est-ce qu'il a pu couper sa Constant Mutamba, ministère de la Justice, alors que Constant Mutamba a fini qui Tshisekedi, a l'oba qui trop, dans ma cambo et tali Tshisekedi. Alors, Tshisekedi a hérité quelque chose qui est venu de son père, alors que Mutamba a fait son parti politique, il y a beaucoup Mutwazali qui a créé, Tshisekedi a hérité Biloko Atatanaye. Les gens ont beaucoup parlé, mais c'est ça la politique. On ne peut pas aujourd'hui nier les compétences, il y a Constant Mutamba, à ce qui concerne la lutte contre les détourneurs de fonds publics. Il est le seul, quand il était dans l'opposition, qui s'opposer na makambo ya bandeki ko salema et qui proposait les alternatives plutôt na makambo ya bandeki ko salema. Donc il critique, il donne des propositions, il donne des solutions. Par exemple, il est le seul qui a pensé à pour créer le parquet financier.
Le parquet financier, c'est pour traquer les détourneurs des fonds publics. Aujourd'hui, ce que tu sais qu'il y a Pessi Mutamba, ministère de la Justice, il sait de quoi Mutamba est capable. Mutamba, je l'aime beaucoup, un jeune comme moi, qui a l'esprit, il y a révolution. Il veut révolutionner les choses. Notre justice, Mutamba, Bandeki Kolobela, la création d'un parquet financier. Aujourd'hui, qu'il a la justice sous sa gestion, nous attendons la création d'un parquet financier pour traquer tous les détourneurs que Gilles Alinguete a pointé à Kadidoua dans ses rapports. Même si l'Assemblée nationale veut aussi imiter son nez, n'a qu'au fouiller ma cambouise à l'écosal et ma kuna, mais vous devez savoir, mes chers compatriotes, que l'arrivée de Constant Mutamba dans le ministère de la Justice est allée d'un apport capital. Parce que Mutamba, lorsque vous le regardez, il s'est opposé à ma dignité, il y a Joseph Kabila, lorsqu'ils étaient dans le... Il a dit à M. Kabila, yo, boy, il va te faire une carte de lecteur. Accueilli à une carte de lecteur, il a encouragé les Congolais à participer aux élections. Le courage qu'a ces jeunes-là, pour moi, aujourd'hui, la réforme de la justice est allée en bonne voie avec l'apparition de Constant Mutamba. Moi, je ne peux pas me fier aux critiques des gens. Vous devez critiquer quelqu'un lorsque Bomonique Mouto on dit comment Azali capable, Mouto Azali n'a pas mérité, Mouto Azali Moussala a coqué Moussala n'a été. Nous devons critiquer Constant Mutamba par rapport à Moussalo Bapessie à Sala pour la nation congolaise. La justice congolaise, tout le monde la critique. La justice malade, il faut des réformes. Et des réformes doivent venir de la politique qui est implanté par le chef de l'État. Le chef de l'État veut l'État des droits, et l'État des droits, c'est un État dans lequel personne n'est au-dessus de la loi. Et il faut transmettre à quelqu'un qui a une logique de constance, Mouto Aboundela, qu'à l'État des droits. Pour la première fois, on a quelqu'un qui a toujours parlé de l'État des droits, de respect, il y a bien public. Et on a mis cette personne à la tête, il y a ministère, il y a justice. Et moi, de mon côté, je ne peux que soutenir un jeune comme moi, parce que j'ai toujours milité pour le changement de la classe politique. Constant Mutamba, 36 ans révolu, il est aujourd'hui ministre de la Justice, et il a besoin de l'appui des jeunes comme nous pour changer des choses, pour que ces vieux-là, on va créer un réseau de détournement, Bazala aujourd'hui traqué. Et tant que Bazali qu'on traqué Bango, ils doivent répondre de leurs actes. Et cela doit commencer par la réforme de la justice avec l'apparition d'un jeune qui avait déjà les idées de comment est-ce qu'il faut réparer notre justice qui est malade. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui, pour ce qui concerne Constant Mutamba et le ministère de la Justice, Oloba Pessakié. Konao et Tikali, nous allons continuer demain à vous donner la situation sécuritaire, la situation politique et aussi décrypter un ministère, Namutoyo Bapessi, ministère Wana. Pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter par là. Tokutani Nabino Lobby sur la même chaîne, avec le même plaisir. Ciao.